Zami Wikatizan, bonsoir. Jodi an, se yon plezi pou nou pou nou prezante ou kreativ. Ki sa ki kreativ? Kreativ se yon store kote yon gou fom vanyan mette tèt yon ansanm pou prezante zèv yo a populasyon ayisyen nan. Avan nou dekouvri ki sa fom sa yo gen nan Jakout yo, nan pon ti poz epi nap tounen. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde culturel, branchez-vous du lundi au vendredi à compter de 8h45 PM sur la télé Pacifique à l'heure de l'émission Écho des Arts. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, potin de star, tout est au rendez-vous à Écho des Arts du lundi au vendredi à partir de 8h45 PM, reprise 1h30-1h45 AM, 7h30-7h45 AM. Écho des Arts, votre projecteur artistique. Merci parce que nous toujours été branchés. J'aime ça dire nous, créative, c'est un groupe femme qui dirigé par Tashiz Denis qui mettait tête ensemble pour faire rade, sandales, bijoux et yo apprendre nous tout comment nous capable utiliser un mouchoir pour n'importe occasion pour nous marrer tête nous comment nous capable mettre mouchoir en valeur. Et bien si nous besoin connait qui ça qui créative là, on a découvrir ensemble avec. Parlez-nous un peu de Tashiz. Qui est-ce qui Tashiz? Tashiz, c'est un entrepreneur à temps plein qui décide de participation pâle dans l'économie haïtienne, dans la création d'entreprises, en l'occurrence créative, qui c'est un store communautaire, côté que non seulement je produis PAM, mais je produis 12 autres femmes entrepreneurs haïtiennes qui présentent dans le store. Là. Et c'est un plaisir pour moi, pour nous aider l'autre, pour nous porter clients pour l'autre, pour nous toutes nous créer une communauté de femmes entrepreneurs haïtiennes. Donc comment store ça? Store là c'est Creative Store. Pour qui ça non ça? Creative c'était déjà un nom qui était existé que au début lorsque moi j'ai fait Creative Expo qui c'est des pop-up shops, des foires que moi j'ai fait au début. Ensuite au fur et à mesure moi viens quitter Expo ça moi viens créer marque moi Creative. Et côté que moi produis mon choix kimono avec bonnet en doublure en satin et puis lorsque l'année dernière moi j'ai décidé que moi devais créer un store physique pour produire ça yo moi t'ai gon idée qui t'ai dit que au lieu que moi gain strictement produit pas mieux gon paquet l'autre femme entrepreneur que moi connais que moi évolue avec ou que moi fonctionner avec ou qui peut-être pas gain capacité pour eux même tu ta gon store physique pour que ça nous permette tête nous ensemble côté que dans un seul espace nous vinn mettre différents produits de toute l'autre femme ça que moi même moi t'ai connu utiliser déjà que moi connais qui de bonne qualité que moi connais que l'autre client carrément donc moi choisi que même non Creative Store hein, parce que j'aime tout qui t'est doué seulement pour produit moi yo et moi dit à m'a expandi m'a élargi à l'autre produit tout que nous gagnons qu'on y a là qui disponible dans store là. Depuis qu'il l'a, ou même un chéri rêve ça, pour te gagner un store dans ce style ça. Bon, c'est un rêve qui était là bien avant que moi j'ai créé Creative en lui-même. Sauf que à l'époque, moi j'étais juste voulu créer un espace côté que tout produit fait à la main en Haïti ça côté que tout entrepreneur haïtien ça au bon local que ca mettre produit disponible pour le grand public t'est existé. Sauf que à ce moment-là, moi pas trop axé ni orienté pour que c'était un espace qui était strictement pour des femmes. Parce que à l'époque, on a idée était un petit peu plus large dans tête mais là moi viens réaliser que dans la communauté artisan yo et dans la communauté entrepreneur en Haïti yo, nous pas vraiment gagne un groupe de femmes qui regroupé pour supporter une autre. Moi dit bon ça c'est une occasion idéale pour moi mettre justement j'aime tout là tout savoir-faire femme haïtienne entrepreneur ça que moi connais déjà qui gagne des produits qui superbes qui de très bonne qualité et moi te dit que bon moi même moi voulais bail support ça bail femme en particulier
côté que nous créer un store qui toute en communauté qui pas juste un magasin que tu rentres ou venir acheter, c'est toute en communauté que nous créer, que nous des fois que nous l'autre mesdames sur place tout etc., que nous créer toute une ambiance pour nous recevoir clients. Ça c'est des bijoux, c'est des bijoux qu'on capote sous nan bras comme ça, pour que juste fermé, lui fait en métal découpé et puis c'est peinture traditionnelle qui sous yo. C'est des bijoux que oyé en métal découpé, c'est gamond qui produit, c'est œuvre de gamond. Et collier ça yo, c'est collier ça yo, c'est des colliers en perles qui c'est des très beaux ornements, yo fait par Neuf Création. Donc il y a différents styles, souvent un bagage qui est plus compliqué, souvent un bagage qui est plus simple. Donc il y a différents styles, mais c'est Neuf Création qui produit. Pour genre situation pays à déroulé, quel genre fonctionnement y en dans ça là? En fait, depuis le nous ouvrir de octobre à nos jours, m'ka dit que gen des périodes, gen des semaines qui meilleures que d'autres, des week-ends qui meilleurs que d'autres, mais en réalité, moi pas ka plein parce que j'aime t'ab dire esprit de communauté en fait que le gen 12 moun kap advertise pour un seul côté, même si c'est moi-même qui invite pour mon choix, ou automatiquement ouais toute l'autre bagaille qui n'a produit, si c'est racine antique qui dit vinn prend sandal là, ou automatiquement ouais toute l'autre produit qui n'a store là. Donc c'est comme un esprit d'entraide que chacune de nous a promu le business l'autre dans tout. Qui sont pas tant de stalls? Et bon, Stolan, moi connais que c'est progrès que m'a attendu pour lui parce que d'ailleurs là nous t'ai commencé, nous t'ai peut-être 7 femmes en plus de créatives, maintenant nous avons 12 ou 13 et actuellement là nous dans processus pour nous ajouter tout produit sur website nous tout parce que nous ouvert vers l'étranger, tout produit qui là nous ca ship normalement vers l'étranger et là nous a ajouté tout sur website Creative Store pour que même monde qui à travers le monde qui a juste en quelques clics commander et justement faire tout haïtien artisanat haïtien ça de femmes haïtiennes particulièrement. Moi je voulais insister sur le fait que c'est que des femmes qui a produit tout ça qui dans store hein, que nous faire disponible pour n'importe monde à travers le monde côté que vous voyez il y a juste monter sur website nous et puis commander. En réalité, c'est à fait qu'on voit que vous l'avez comme ça. Ce sont des perles de taille. Ce sont des perles de taille que vous portez autour de la taille, en général. Ouais, vous portez autour de la taille. Normalement, sous les vêtements, mais c'est juste pour montrer nous comment que vous portez normalement. Ok? C'est des bijoux, d'une certaine manière, qui viennent de la tradition africaine. Côté que dans différentes étapes dans la vie en femme dans genre de pays ça yo yo font cérémonie côté que offrir yo perles de taille ça yo, mais avec le fil de l'évolution perles de taille ça yo vin pas autant gain importance ça yo surtout dans le monde occidental. Business ça c'est our beads qui vini avec waist beads traditionnel africain yo. Nous pral wè que yo pa gain côté pour yo tacher parce que yo gen même fil traditionnel que nous que te kon utiliser depuis toujours yo pa gen côté pour yo tacher parce que our bid mission our bid c'est pour faire femme sentir bien en peau yo, quel que soit grosseur yo, quel que soit forme yo, quel que soit genre corps yo yé dans moment ça. Donc avec perle ça yo ni sa, bon moi même moi ka témoigner tout parce que moi porté autour là ou gen perle ça yo autour de taille yo. Le, chaque fois que ou est tête ou devant un miroir, li bo on l'autre vision, on l'autre approche avec corps.
Ça, ce sont des kimono cover-up, c'est même j'ai avec ça qui vient sous moi, hein, qui c'est juste un vêtement additionnel pour qu'à mettre et par-dessus radou sous apporter rad décolleté, sous un petit robe sous, les mettre en sous un rad uni sous, les mettre en touche de couleur sous yo. Yo vini en long et en coûte, par exemple ça coûte ça long. OK. Yo vini dans différents sizes, côté qu'on ca juste mettre yo sous les ajouter un autre bagage en plus dans habillement, par exemple moi même j'aime habiller là que t'es moi mettre ça, c'est vraiment on touche en plus dans habillement. Ensuite, ou ka mette tout sou pralé nan piscine, nan plage, ou gen costume de bon sou, ou ka juste mette le par dessus pendant que ou ap flané, bon plage là, etc. Donc, c'est pour ça ki mon oué. Mouchoir, c'est vraiment, c'est ça qui commence créatif d'ailleurs. Donc mouchoir, c'est un bagage qui est dans la tradition non? haïtienne, parce que avec l'héritage africain que nous gagnons, Maritette fait partie de la culture. Non? Et moi-même, particulièrement avec créative, moi, je te dis, it's always a good rap day, parce que pendant longtemps, alors que bagage ça a tellement représenté une belle partie de la culture, nous, en Haïti, nous avons réalisé que mon choix c'est un bagage qui est très banalisé et qui est marginalisé. Mon choix c'est un bagage que tu mettais sur le marché. Mon choix c'est un bagage que tu mettais sur le travail dans la caille. Tu étais même comme jouer mon protestant tête marée. Et puis bon, moi-même, moi, je voulais montrer à travers créatif que mon choix c'est un accessoire qui est tellement plus que ça. Bon, il y a des gens qui te mettaient tout, c'est le bac à peindre, cheveux pas belles, donc ils ont tout profité de mettre mon choix. Donc moi-même, moi, je voulais montrer que c'est un accessoire qui allait tellement au-delà de ça. Et moi, j'étais inspiré de toute femme afro. Franchi ça que lorsque vous avez forcé vous mettez mon choix ça qui était décidé faire vin en œuvre d'or pour montrer que il y a différents gens qui ont marré en mon choix et que en fonction de qui occasion qui va praler ou tout ou 50 000 façons pour mettre mon choix dans tête ou c'est une raison tout que l'autre service que nous offrir c'est un service de atelier Maritette côté que nous apprendre différents styles qu'on a fait en fonction de différentes côtes au praler qui différents gens qu'on a Maritette. Adresse nous c'est dans 25 rue Chavannes Pétionville, 25 rue Chavannes Pétionville. Nous sur toutes réseaux sociaux créatives, mais particulièrement sur Instagram, nous avons une page pour store là qui c'est Creative Store. Creative Store c'est K-R-E-Y-A-T-I-V-S-T-O-R-E. C'est nous sur Instagram. Et puis numéro que vous carrelez c'est 37 31 31 68. M'a invité nous tout visiter website nous qui c'est www.creative.store. Donc www.creative.store. Nous te contents ça nous vivre là, m'espérer ça. Merci parce que nous t'ai été branché émission Parola qui c'est Écho des Arts spécialement rubrique artisan. Et m'a dit tout à toute femme qui t'a gagné un talent la caillou caché mettez en valeur bay produit la caillou valeur parce que c'est nous pour faire pas gain pièce monde qui vient faire pour nous restez branché télé moment chaîne 54 n'a tourner semaine prochaine pour un autre artisan.